De retour au port, après cette rencontre pleine de sens avec Luc Van Rel dans les Calanques, c'est un programme chargé qui nous attend. Au matin, l'un des partenaires de Thalas, le directeur de l'école d'ingénieurs Polytech Marseille, Romain Lafont, est venu découvrir le bateau, nous dire bonjour, et nous faire une proposition absolument inattendue. Devenir parrain de la promotion 2020 de l'école et participer en tant que tel à la cérémonie de remise des diplômes au Palais du Faro avec un discours devant 3000 personnes. Et voilà, on est vendredi et là je pars à la gare Saint-Charles pour accueillir Bernard qui nous rejoint, qui va finir l'expédition avec nous. Bernard qui l'avait démarré et qui l'a fini, c'est amusant. On a récupéré le colis. Dès son arrivée, Bernard a marqué les esprits en préparant d'excellentes dorades à la plancha, tout fraîchement pêchées et achetées sur le port. Un circuit court, défiant toute concurrence. Pendant ce temps, nous avons préparé notre après-midi. En effet, dès le délicieux déjeuner avalé, nous laissons Bernard s'installer tranquillement à bord et partons à la rencontre des écoliers marseillais. Audrey avait préparé l'avant-veille les Artemia pour les enfants. Alors, dans deux jours, on va à l'école de Marseille, l'école primaire. Et donc, il faut qu'on prépare nos petits zooplanctons. Et chez nous, ça se caractérise sous la forme d'Artemia et plus précisément de 6. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait comme du sable. Donc, il nous faut 48 à 72 heures pour les réveiller. Alors, on y va. On a pris un litre d'eau de mer, une cuillère à café de ciste. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser agir. Les Artemia sont de petits crustacés primitifs qui produisent des œufs bio-encapsulés qui ne se développent qu'au contact de l'eau salée. Ils sont donc idéaux pour être observés lors des interventions avec les écoliers. L'observation, c'est la façon la plus évidente et ludique de comprendre la beauté de la nature. Plus les écoliers observent, plus ils deviennent témoins de cette beauté et en deviennent les gardiens potentiels. Alors, on reprend le métro. Cette fois-ci, on part à Malpassé, toujours à Marseille, et on va parler océan ensemble. Et on a 4 classes. Nous commençons à être rodés dans nos interventions et comme toujours, les enfants ont été attentifs et surprenants de connaissances. Deux groupes se sont succédés et ensemble, nous avons dressé le portrait de l'océan, de ses faiblesses et de son importance pour la vie sur Terre. Des petits Marseillais et des petites Marseillaises, conscients et conscientes de la beauté de la belle Méditerranée pour laquelle chacun y est allé de sa petite anecdote. Les enfants sont formidables. Ça pendant 10 ans. Ouais. Bravo aussi, les enfants, c'est une très bonne décision. Aussi, moi je ferai pareil et puis j'essayerai de trouver moi-même des techniques en plus. Bravo, ça c'est une très bonne décision. Est-ce que ça vous a plu l'océan? Retour au Vieux-Port et le stress commence à monter. Un peu de shopping pour se trouver quelques vêtements présentables pour un gala, puis c'est au tour des petites filles de se faire refaire une beauté entre les mains de leur coiffeur personnel, le tout sous le soleil marseillais et la bonne mère bien.
bien perché. Les heures défilent, vite, et ça y est, nous sommes en retard. Nous décidons alors de traverser le port en annexe pour rejoindre le palais du Pharo, où nous attendent une salle chauffée à blanc et des milliers d'étudiants impatients de fêter leur diplôme. Mais nous avons un peu sous-estimé le chemin pour nous y rendre. Merci beaucoup. Alors, déjà, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir. J'ai parlé un petit peu d'engagement et ce soir, j'avais envie de, d'inviter quelqu'un qui est extrêmement engagé dans ce qu'il fait. Notre invité d'honneur, notre parrain de cette promotion, il va venir un petit peu vous expliquer quel est son engagement, un engagement auquel on croit fortement, auquel les élèves ingénieurs et les diplômés croient aussi. J'invite à me rejoindre Monsieur Thomas Capitaine. Bonsoir à tous. C'est un immense honneur qui m'est accordé ce soir d'être devant vous. Merci beaucoup, Romain. Je me présente, je suis donc Thomas Capitaine et je suis aujourd'hui le chef de l'expédition océanographique Thalas, qui œuvre pour mettre en avant, pour valoriser, pour découvrir ce que nous appelons les héros de l'océan, c'est-à-dire des acteurs, soit de la préservation, soit de la connaissance du monde marin. Et parmi ces héros, il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'ingénierie, puisque derrière chaque problématique, il y a la recherche d'une solution. Et est-ce que la recherche d'une solution, ce ne serait pas finalement le fondement même de l'ingénierie? Dans les années qui vont venir, il y a énormément de défis qui vont se présenter à nous. Et ces défis, on va avoir à leur apporter des solutions, mais ils sont déjà réels. On a, nous, commencé avec Thalas, notre travail de découverte de ces héros, de rencontre, et tous s'accordent à dire une seule et même chose, c'est maintenant. Il nous reste aujourd'hui à peu près une quinzaine d'années, peut-être 20, pour vraiment inverser la tendance, ce après quoi, il sera trop tard. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois que les politiques auront pris leurs décisions, ça va être à la technique de prendre le relais. Et sur le terrain, cela va être bien des ingénieurs, des entreprises, des associations, des gens qui vont mettre leur cerveau au profit de notre avenir, et ça c'est vous. C'est vous particulièrement. Et tous, vous allez pouvoir, de concert, travailler ensemble à l'élaboration de solutions en partant de la page blanche jusqu'à la mise en exploitation sur le terrain. Et on espère que ça va nous permettre derrière d'être des acteurs, non pas nous, mais nous ensemble, d'être des acteurs tournés vers le changement et notre avenir pour qu'il soit réellement possible. Au cœur des industriels aujourd'hui, il y a des noyaux qui sont en train d'émerger de plus en plus, de noyaux engagés, de gens qui, au sein même d'industries polluantes, d'industries qui sont historiquement la source du problème que nous rencontrons aujourd'hui, il y a des noyaux qui grandissent, qui se multiplient et qui sont porteurs d'un espoir fou. Ce sont des gens qui rejoignent Thalas, qui adhèrent à notre programme et qui vont représenter avec nous, peut-être avec vous si vous nous rejoignez, une part de la solution tournée vers demain. Je tiens à tous à vous féliciter. C'est une vie qui s'ouvre à vous, une vie qui sera remplie de choix. La conscience de l'importance que vous représentez pour cette transition et pour notre avenir, je pense qu'elle est ancrée au cœur de chacun de vous. Participez, soyez les acteurs de demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci Monsieur le Capitaine, merci Romain. Je vous demande de vous asseoir deux secondes.
Après cette formidable soirée passée à échanger avec les étudiants et enseignants de Polytech, sensibles à ce petit discours, nous rentrons au catamaran, en prenant le chemin des écoliers, profitant ainsi encore un peu de ce décor féerique où la fête se retrouve partout. Ce matin, après un rapide passage de notre précieux partenaire Cali, qui nous permet de remettre à chaque école un globe terrestre gonflable, nous mettons de l'ordre dans le bateau, puis nous appareillons vers notre prochaine héroïne, Sandrine Trévaux, qui préside l'association Ocean Quest à Toulon, dont la mission est de composer une armée pour sauver l'océan. Tout un programme. Au départ comme à l'arrivée, Marseille nous offre un sublime spectacle avec un trafic impressionnant sur l'eau. Décidément, le lien entre la mer et la cité phocéenne n'est pas un mythe. Marseille, c'est fini. Merci, on a passé un moment extraordinaire à Marseille. Il y a une énergie dans cette ville. Les gens sont gentils, entiers. On a eu des opportunités qui se sont créées du début à la fin. Les diplômés, les ingénieurs, on vous embrasse. Je vous dédie cette vidéo. L'aventure fait que commencer. Après cette courte nuit de navigation, nous jetons l'ancre à la pointe de la presqu'île de Gien, où nous passerons la journée dans un cadre naturel superbe. Un impératif conduit Bernard à repartir à terre pour 2 jours avant de nous rejoindre. L'occasion pour nous, comme toujours, de découvrir, travailler, avancer sur le protocole scientifique et mettre de l'ordre à bord. Dans la prochaine vidéo. Ok. La vie en mer. La moindre erreur, tu la payes. Parce qu'on va pouvoir. Replanter du corail. C'est parti, on y va. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas Océan. Elle est gratuite. Disponible sur Android et iOS, et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure sans en rater une miette. Informations sur l'océan, agenda, position du bateau, carnet de voyage, vidéos exclusives, concours et surtout des notifications pertinentes pour être toujours tenu informé des actualités de Thalas et du monde marin. Vous êtes aujourd'hui plus de 2200 à avoir embarqué avec nous, et c'est une immense fierté de vous savoir à nos côtés. Merci. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas vous aussi à partager la vidéo. Plus on est nombreux à découvrir toutes ces informations incroyables, eh bien plus on avance pour la préservation de l'océan et plus ensemble on fait grandir la famille de Thalas, toujours avec le même but, c'est créer et préserver notre avenir à tous.